Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de faire. Vous avez vu le titre, devine qui est hypnotisé parmi ces 50 personnes. Juste dans la pièce à côté, il y a 50 abonnés. Parmi eux, il y en a 15 qui sont hypnotisés. Évidemment, je vais tout expliquer plus en détail. Avant ça, j'accueille mes invités. D'abord, une personne évidemment que vous connaissez très bien. J'accueille Alaya, c'est parti. C'est très lent. C'est un peu lent, hein, c'est un peu lent Alaya. Là, elle est contente d'être ici ou pas? Oui, très contente. On est déjà venu ici, on a déjà fait la vidéo un peu ce style-là, devine l'âge. Là, faut qu'on soit meilleur. Et j'accueille aussi ma deuxième invitée, que vous connaissez aussi, bien sûr, on l'adore, Chloé Lemne. Regarde-moi, je suis plus rapide. Ouais, plus rapide, elle est impliquée, bravo Chloé. Bim, je suis là. Tu vas bien? Ça va et toi? Mais franchement, au top. Chloé, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, la vidéo on DM des stars sur Insta. Oui, c'était pas mal. On va former un trio de ouf, ok? Ouais. Donc là, j'explique un peu le concept du coup. Derrière, donc voilà, il y a 50 personnes, c'est dur à dire ce mot. Ouais. Il y a un hypnotiseur, voilà, vous avez compris, qui a hypnotisé 15 personnes. Nous, évidemment, on sait pas, on va parler avec chacune des 50 personnes, un par un. Et le but, c'est un peu de capter comment est-ce si elles sont hypnotisées ou pas. En gros, l'hypnotiseur a donné des ordres d'hypnose où on peut un peu cramer plus ou moins facilement. Il y en a certains, par exemple, on peut dire un mot au hasard et on voit qu'ils vont rigoler. Et on se dit, attends, est-ce que juste ils sont bizarres ou est-ce qu'ils sont hypnotisés, tu vois? Mais c'est hyper méchant, imagine la personne, elle est pas hypnotisée, on lui dit juste, t'avais l'air chelou. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est très vexant d'ailleurs. Pensez à ça, ou alors ça peut être vraiment les trucs beaucoup plus subtils, etc. Vous pourrez jouer en même temps chez vous. À la fin, on désigne une personne en disant ok, je pense que toi t'es hypnotisé, et on peut vérifier de plein de façons. Deux petites précisions avant de commencer, il y a donc 15 hypnotisés, et par contre, tous ceux qui ne le sont pas n'ont pas le droit de faire les acteurs pour faire croire qu'ils le sont. Tout le monde est donc soit naturel avec leur propre personnalité, soit hypnotisé. Et évidemment, pour les hypnotisés, il n'y a rien qui est surjoué, tout est vrai. Si des gens sont encore sceptiques sur l'hypnose après toutes ces années, bah, je sais pas quoi dire de plus, à part qu'on n'aurait aucun intérêt à fake ça, et de toute façon, vous allez voir dans la vidéo que ce serait impossible de jouer ce qu'ils font. Donc vraiment, faites-nous confiance là-dessus. Tout est vrai et vous allez kiffer voir ça. C'est parti. Et bah écoutez, si vous êtes prêtes, on va aller juste derrière la porte là-bas. On descend ces escaliers. C'est parti. C'est beau ce qui se passe. Quelle pression. J'ai eu très peur de tomber. Bonjour à tous. Bonjour. Oh, attends, j'espère les regarder pour l'instant. Alors les amis, on a le boss, le crack, Pierre Sica avec nous, hypnotiseur de génie. Le kraken. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation un peu? Non. Ok, merde. Merde. Donc t'as 50 personnes en face de toi. Sur ces 50 personnes, t'en as 15 qui sont sous hypnose et qui ont reçu un ordre hypnotique particulier quand vous allez aller leur parler, vous approcher d'eux, voilà. Je pense qu'on va commencer du coup. Et ben on va leur parler un peu un par un, on va deviner et jouer chez vous en même temps, ok, c'est beau ce qui se passe. Et ben c'est parti, on arrive au numéro 1. Alors première personne, on analyse bien. C'est pas l'impression qu'il est hypnotisé. Si, de ouf. Mais tout le monde a l'air hypnotisé en fait. Attends, on peut leur parler Pierre? Bien sûr, bien sûr. Ça va? Attends, on se focus d'abord, je pense, sur une personne. Il fait des coucous, je vais pas le laisser dans le vide. Waouh, c'est bizarre. Aussi, lui aussi, il est chou, j'ai remarqué. Tu t'appelles comment? Bah, s'il est pas hypnotisé, c'est hyper méchant. Il est mal habillé, je pense qu'il est hypnotisé, c'est sûr. C'est sûr, après. Non, tu vas bien, tu t'appelles comment? Ça va, je m'appelle David. Ok, tu te sens bien là? Ouais, ça va, tranquille. Regarde ses mains, tu vois, c'est pas naturel. Non, mais il se tient comme ça, comme un Playmobil. On va mettre que des balles perdues, je suis mort. T'aimes bien les vidéos YouTube? J'adore. Ok, je pensais qu'il allait déclencher un truc à YouTube. T'es abonné à Lucas? Ouais. T'as activé la cloche? Non. Ouah, parce que alors, petite pause là-dedans, ceux qui ratent cette vidéo, qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche. T'es abonné toi? Ouais. Tu peux l'hypnotiser, lui dire de s'abonner s'il te plaît? Je suis pas abonné, je me casse. Oh mais c'est trop frère. Vas-y, c'est bon, je me mets là avec tout le monde, là, hypnotise-moi là, c'est bon, ça m'a saoulé. Ok, bon, on met une option non? Ouais, moi je dirais pas, mais ok. Ok. Bah, moi il y en a un, je pense, lui, ouais. Attends, lui c'est sûr. Vous êtes beau. Bah voilà. Il a dit quoi? Vous êtes beau, c'est bon. Attends, ça va? C'est qui ton préféré? Tous. Attends, bon, c'est incroyable. T'aimes bien mes vidéos? J'adore tes concepts. J'aimerais bien faire les mêmes et tout ça. Attends, c'est pas vrai. Je suis bien habillé ou pas? Le vieux. Oh là. Le violet, ça correspond bien à ta... Mais attends, mais il est bourré ou... Ouais, c'est une couleur qui te va bien. Ça, il a quand même galéré à le dire. Hein. Ouais. Je suis un peu vexé quand même. Et tu t'appelles comment du coup? Rémi. Ah, ok. C'est sûr de toi. Hein. C'est incroyable ce qui se passe. Bon. On dirait qu'il a trop fumé avant le tour. Il y a un requin rose, c'est pas logique. Ah, d'accord. C'est vrai, perspicace. C'est pas rose, un requin. Non. T'es bourré? Un petit peu. C'était plutôt simple, ce sera pas toujours aussi simple. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas parlé avec la numéro 2, tu vas bien? Oui, très bien, merci. On va te dire trop lucide, c'est pas possible. Ouais.
Oula. Je suis mort. Vous connaissez à la base? Pas du tout. Non, on dirait WAM, c'est fou. Je suis pareil en boîte. Non mais l'hypnose, ça crée des liens. Trop drôle. Ok, numéro 2, je te sens pas, désolé. Par contre, on t'adore. Non mais c'est rare d'être trop lucide, les gentils et tout, c'est pas possible. Ok, donc on vire ceux dont on est sûr. Et comme ça, au moins, t'es sûr que... Voilà. Voilà, bon, numéro 2, désolé. Comment tu vas? Bien, et vous? Il va bien. Bizarre ça. C'est la crise partout, la guerre, et toi tu vas bien. Hypnotiser le bonhomme. Ok, vas-y, monte tes mains, je veux voir tes mains. Les mains en l'air, frérot. Non, fais un truc, je sais pas. Tu veux que je fasse quoi? Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Ouais, j'avoue. Shifumi, si je gagne. Vas-y. Shifumi. Ah. Je pensais qu'il allait se passer un truc de fou là. Il a limité un dragon et tout, tu sais. Vous en pensez quoi lui? Non, bien. Bien, je pense pas, non. Bah, peut-être juste qu'on capte pas et que c'est vraiment subtil. Hein. Ouais. Comme les blagues d'Alaya. Moi je les ai entendues, elles étaient vraiment drôles. Ah. Il est hypnotisé, c'est pas possible de dire ça. On l'innocente? Oui. Eh ben mec, vas-y, bouge, essaye de bouger. Ok. Ah. Non, je pense qu'il est pas lui. Mais imaginez, on fait partir quelqu'un qui est hypnotisé. Eh ben tant pis pour nous. Ça marche. Vas-y. Adrien, ça va? Je t'ai pas demandé ça, mec. T'es hypnotisé ou quoi? Bah non. Jolie chemise. Bah merci. Vas-y, fais une blague, vite fait. Il en a pas. Je sais pas. Eh, elle est à qui la chemise? À qui ta chemise? Bah elle est à ma tante Caro. Oh! Peut-être qu'il aurait pu rigoler à sa propre vanne et tu sais, on capte. C'est peut-être ça aussi. Ok, putain, c'est trop dur, wesh. Non, moi je pense pas. Et pourquoi? Je sais pas. Bah, c'est un bon argument ça. Il m'inspire quoi, t'as vu? T'as vu le tonton taf pour ça? Hein. Ah, tout ça, ok. Il m'inspire confiance. Oh, attends, lui je sens bien le 9 là. Attends, je vais y aller à côté. Bon, on met doute. On met doute, ok. On verra à la fin. Ah si, il y a un truc, c'est pas possible. Il a un truc. Peut-être juste qu'il rigole beaucoup. Bah oui, il a le droit. Putain, j'avoue, c'est tellement dénigrant si c'est pas... Tu vas bien? Très bien. Et vous? Oui. Ouais. Comment tu t'appelles? Félix. T'as quel âge? 21 ans. D'accord. T'as fait quoi la nuit dernière? Oh là, attends, c'est bizarre là. Putain, il sent... Ah si, attends, t'es masse à... Ton œil, ouais, il saute. Bon, par contre, les gars, je vous le dis, les questions que vous posez, elles sont folles, quoi. Au niveau enquête... Toi, t'es hypnotisé? Ça, c'est pas con, comme... Ah, il peut répondre, s'il répond oui. Ça se trouve, bah oui, ça se trouve. Il y en a, ils sont les bourrés, ça se trouve, ils vont dire oui, tu vois. T'es hypnotisé, toi, ou pas? T'es pas hypnotisé? Félix, moi, je pense pas. Lui, là? Non. Mais si, wesh, à la gueule. Pourquoi c'est à moi de trancher tout le temps? Je sais pas. Si, il est bizarre. T'es chelou, frérot. Ou change alors que t'es pas hypnotisé, en fait. Remets-toi en question, putain. Donc tu le gardes ou tu l'élimines? Non, on va le garder, non. Et toi, ça va? Très bien, très bien. Elle te saoule ou pas? Franchement, ça va, je la supporte au quotidien, donc ça va. Ah, vous connaissez les deux? Ouais, on est en couple. Non. Ah. Si. C'est peut-être un couple d'hypnotisés, alors. Qui est hypnotisé? Juste, non. Elle l'a balancé. Et toi, par contre, tu l'es, non? Je sais pas. Bah si. Oh. Oh. Tu notes à combien ton bonheur sur 10 dans la vie, en général? 1000. Oh. Attends, peut-être que... Non, c'est bizarre comme réponse, non? Ben non, les gens sont pas tous en dépression, Lucas, c'est tout. Non, mais 1000 sur 10. Ah, je veux dire, c'est bizarre comme réponse, non? Ben non, il est juste très heureux. Et toi, t'es heureuse? Ouais. Toi, t'as chaud, toi? Ah, j'ai chaud. C'est l'alcool. T'as bu combien de verres? Je sais pas. Ah, t'es bourré? Non. Si, arrête, t'as fait une soirée, là? Non. Si. T'as bu quoi? Vodka. Je te rappelle pas? Pastis. Vous avez vraiment des têtes bizarres. Vous avez quoi? C'est gratuit, elle a dit. Elle a pris... Vous avez vraiment des têtes bizarres. Ah, elle a pris quoi? Ouais, bon, okay. Hypnotisé ou pas lui? Non, non, toi. Du coup, t'es bourré? Mmh. Ouais, bon, allez. Ouais. Bon, toi, tu restes. Allez, toi, on sait. Allez, c'est sûr, ok. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est quoi ta pierre autour du cou? C'est une améthyste. On peut l'hypnotiser, lui voler, sans qu'elle le capte? Je pense que ça va un peu cher quand même. Alors, non. Ah! Pas une phrase hypnotisée ça. Vas-y, touche ton front avec deux doigts comme ça. Là. Attends, s'il y en a qui ont... il y en a plusieurs qui ont le même ordre, ça veut dire que là, si on peut taper des mains, il y a des gens qui vont réagir. Taper des mains? Je sais pas, il n'y a pas un ordre où on fait ça et quelqu'un réagit? Ah, peut-être, mais oui, peut-être. T'as sommeil? Un petit peu. Moi, je pensais qu'elle allait dormir, mais je suis pas hypnotiseur. T'as 24 ans? Non. Ah, elle a hésité. Attends, c'est bizarre quand même, non? Attends, comment tu t'appelles? Lisa. Elle a perdu la mémoire! Ah, let's go! Elle a perdu la mémoire. Tu choisis du combien? Du 41. Ah, oh, c'est trop drôle! À chaque fois, elle fait. Je m'appelle comment en vrai? Bah, toi, tu t'appelles Lucas. Pourquoi elle a pas hésité là-dessus? T'es en couple? Non. Ah, mais elle hésite que sur elle. Elle hésite que sur elle en fait. Tu travailles dans quoi? Non, pour l'instant, je suis en reconversion. Ah, mais pourquoi elle répond vite là? T'as combien de doigts sur la main droite? 5. Non, mais ouais. Elle, on la laisse, non? Ok, première ligne. Je tiens à te dire. Ouais. Que sur cette ligne, écoutez bien, vous n'avez éliminé aucun hypnotisé. Bah bon, nous on est trop fort. Imbattable. Ah non, c'est pas possible, frère. Là. C'est pas possible. Pardon.
T'es hypnotisé, c'est pas possible. Tu lui as fait un truc. Et ben on passe à la deuxième ligne. On passe à la deuxième ligne du coup, numéro 18, tu vas bien? Ça va et toi? Bah oui. T'appelles comment? Céline. Ouais, j'ai un petit doute. Vas-y, suis mon doigt, vite fait comme ça là. Ça marche comme ça. Non mais elle est pas hypnotisée, ça l'était. Sinon, elle l'aurait fait. Voilà, t'aurais pas été gênée de le faire. T'as les mains derrière le dos? Bah elle est peut-être stressée. Ouais, je suis un peu stressée. Ah, t'as l'air d'être stressée ou quoi? Non. Ouais, elle a l'air quand même détente. Hein. Ouais, c'est vrai. On l'innocente? Oui. Et pourquoi tu te grattes? Je fais de l'eczéma. Oh, Bichette. Oh, non, t'as mis de la crème ce matin? Non. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais... T'as quel âge? 21. Ok, tu fais quoi dans la vie? Je suis en alternance en tant qu'acheteuse. Non, je pense pas. Bon, bah allez. Tu peux y aller. Merci à toi. Merci. Ah oh, merde! De quoi? Elle était hypnotisée. Relâchez, t'enfonce tranquillement au plus profond de toi-même et les grattements s'arrêtent instantanément. Plus aucune démangeaison. Je vous l'avais dit. Oh non! Désolée, c'est ma faute. Tu reviens exactement toi-même. Ça va? Attends, premier fail, du coup, c'était quoi le... Dès que vous lui adressez la parole, elle a envie de se gratter. Ah, t'as l'ordre d'être stressé ou quoi? Non. Ouais, elle a l'air quand même détente. Hein. Ah merde, ah ouais. Moi, je vous l'avais dit. Ça se voyait, elle était pas bien, elle était bizarre. Donc là, elle vous en reste 14. Okay. Ça va? Ça va et toi? Et vous? Bah ouais, carrément. Il n'y a pas que Lucas hein, dans la pièce. À part s'il a l'ordre, qu'il n'y a que moi dans cette pièce. On est combien dans cette pièce? Plus de 50. Ah merde. Bon, j'ai eu un petit espoir un peu de retrouver un truc de fou. D'accord, très bien. Et t'arriverais à décroiser les doigts si je te demande de décroiser les doigts, bonhomme? Wouah! Fais un pas en avant, fais un pas en arrière, c'est danse la Macarena. Ah, bien, il connaît, c'est bien, c'est bien. Non, il a pas l'air très hypnotisé, moi je le vois souvent au regard de la personne. Ouais, oui, oui, des yeux, ouais. Non, je fais l'expert, mais pas du tout. Ouais. Attention. Ok, on l'innocente. Ouais, on l'innocente. Allez, merci à toi quand même. Je vous accorde, c'est bon, lui. Inspecteur des travaux finis. Oh, il est très content, lui. Je suis joyeux de vous voir. Oh. Non, non, attends, il y a un truc, il y a un truc. C'est vrai? Oui. Tu fumes Adore ou pas? Ouais, c'est mon youtubeur préféré. Et Alaya? Aussi, je vous aime tous. Oh, il aime tout le monde, t'aimes tout le monde. Tu l'aimes, elle? Bon, elle est sympa. Ah, ou peut-être qu'il est fan, peut-être qu'il a donné l'ordre d'être fan que nous. Tu aimes bien Pierre ou pas? Ouais, j'aime tout le monde. Hein. Tu penses quoi de Jean-Luc Reichmann en vrai? Oh, je l'adore. Ah, moi, je suis comme ton père ou pas? Oh, plus frère, hein, je crois. Ok, très bien. Bon, lui, on est d'accord? Oui, 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 on est d'accord. Toi, ça va? Super. Elle, son ordre, c'est de nous voir, elle rigole. Ah si, bah, ah si, bah si. Vas-y, attends, on se retourne, retournez-vous, on se retourne. Et donc, on se retourne. 1, 2, 3. Si, c'est ça, elle est hypnotisée. En fait, voilà. Je vous l'ai dit, en fait, quand elle, je vous l'ai dit, parce que elle, depuis tout à l'heure, je l'observe. J'espère pas trop peu, parce que sinon, c'est la honte pour moi. En gros, depuis tout à l'heure, elle fait la tronche. Et là, on arrive, elle se pisse dessus. Donc, par contre, si c'est pas ça, c'est vraiment du foutage de gueule. Hein. Venez, on rigole avec elle. Vous allez voir, après, quand on va partir, elle va faire la gueule. Numéro 25, ça va? Ouais, ça va. T'as l'air rigole pas quand tu nous vois, toi? Non, ouais, on est pas... On est pas foncièrement drôle, quoi. Non. Oh. Ça fait mal, ça. Ah ouais, alors, sinon, ça fout. J'ai mis du temps à te capter. Bah, j'analysais un peu l'attitude ouais, et tout. Non, mais là, elle t'a claqué quand même. Elle nous voit encore, elle rigole, elle. Mais tu vois, elle aussi, elle rigole souvent, mais tu sens que c'est pas pareil que l'autre. Non, Léana, c'est bon, non? Ouais, non, ouais. Léana. Innocente. On est innocente, tu peux y aller. Très bien. Parce que la numéro 27, qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau? Bah, rien de spécial. Et tu fais quoi dans la vie? Non, mais eux, je dois. Ah, les deux là. Je suis étudiante en fac de droit. T'es sûre? Ouais, t'es avocate en quoi? En droit pénal. Ou non, là, elle a fait une action bizarre. Elle t'a regardé chelou, là. Non? Si, si. Tu m'aimes bien? Ah, ok, cool. Je crois que son ordre, c'était me détester, genre. C'est horrible comme ordre, c'est horrible. Non, 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 mais toi, innocenté. Ah ouais? Mais oui. Non, non, mais je le sens, je vous dis, je le sens, j'ai un troisième sens. Sixième sens. Ouais, troisième, c'est pas ouf, j'ai l'odorat, quoi. Bon, voilà. Ah bah là, les deux, elles veulent pas. Mais... Et bah, tu sais quoi, j'assume. Allez, hop, innocenté, je le sens trop. Allez. Ok, vas-y. Voilà, putain, je vous l'avais dit. Yeah, elle était bizarre. Quand je viens retirer ce ordre. Assume maintenant, t'as dit que t'assumais, assume. C'était quoi son ordre? Elle avale sa salive à chaque fois avant de vous répondre. Je vais faire avocate en quoi? En droit pénal. Bah désolé, Ça va? Ça va et toi? Bon, toi, on sait, quand tu nous vois aussi, tu rigoles. Voilà. En fait, elle voit ta tronche, elle rigole. Et merci, c'est un plaisir. Mais lui aussi, il a rigolé un peu tout à l'heure. Et numéro 24, salut. C'est trop drôle. Ah non, mais arrête que devant moi. Attends, regarde Alaya. Attends, Alaya, retourne-toi. Vas-y, retourne-toi. Ça va. Et regarde Lucas. Il y a que toi, miskine. Ouais, ah ouais. Je suis morte. Je suis trop content, putain, c'est incroyable. Attends, elle regarde tout ce que je fais en fait. Mets-toi à genoux. Attends. Bah non, c'est une demande en mariage, fais gaffe, ça n'a rien à voir. Je m'appelle Lucas. C'est drôle.
C'est drôle. Ah, rigolade, ce que je fais, c'est incroyable, putain. Hypnotise toute la France comme ça. Alors, non, mais t'as pas encore l'ordre, je pense que t'as pas envie. Elle se fout de ta gueule. Ah. Elle est en train de se foutre de ta gueule. Tu te fous de ma gueule? Non. Bah si. Un petit peu. Oh. Je suis mort, c'est incroyable. C'est trop drôle. Bon, toi, on a capté. On salue. Salut. Pourquoi tu rigolais avec elle, t'as l'air? Bah parce que c'est marrant. Tu te foutais de sa gueule. Un peu, quand même. Okay. Bah non, mais lui, c'est trop lucide, trop fluide, trop trop pas hypnotique. D'accord. T'es d'accord? Ouais. Bon, bah salut. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Robin. Ok, Robin. Ah non, impossible. Oh non, c'est trop. Les deux, ils se foutent de ma gueule. Attends, regarde-moi. Ça, Robin? Putain, c'est fou. Robin? Ah là, c'est violent. C'est incroyable, je suis mort. Et les deux? Et les deux, regardez-moi en même temps, là. Je peux pas. Oh, c'est incroyable, je suis mort. C'est incroyable. Hey, Robin. C'est pour ça, parce que j'ai vu au début, il regardait seul, il osait pas te regarder, j'ai remarqué. Et Radalaya avec Chloé? Ouais. Non, nous, on n'est pas drôles, nous. Et Lucas? T'as, mais le pouvoir que t'as, mec, c'est un truc de fou, c'est incroyable. C'est génial. Et bah écoute, bah, on toi. On te garde. Toi, nickel. Allez, merci, frérot. 31, tu l'es? Non. Bah, salut. Allez. Okay. Non, moi, je pense pas. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, t'es sympa. Alors, c'est pas ça la question, ils sont tous sympas. Hein. T'aimes quoi dans la vie? Sport, la bouffe, ouais, sortir, et voilà. Les bases de la vie, quoi. Ouais, voilà. La slick. Bon, bah salut. J'ai un peu vexé presque. Attends, on se concentre sur le 32. Très belle chemise. Merci, ouais. C'est gentil. T'es d'accord avec toi? Avec moi? Ouais. Avec toi, je suis d'accord. Non, avec toi, t'es d'accord? Moi, je suis toujours d'accord. Et moi, est-ce que je suis d'accord avec moi, du coup, si toi, t'es d'accord avec toi? Mais je sais plus là. Et ouais, par contre, mon grand, faudra mettre les baskets à la machine. Hein. Mais la violence dans cette meuf, c'est hallucinant. Le mon grand, il est fou quand même. Elle s'est daronisée. Ouais. Du coup, j'ai regardé tes chaussures, mais ça va. Je peux rien dire. Je peux rien dire. Mais depuis tout à l'heure, tu regardes les chaussures de Lucas quand tu parles, ça va? Ouais, ouais, ça va. Tu peux, oui, tu peux nous regarder. Ouais, ouais, je vous regarde, tranquille, tout va bien. Et t'aimes bien mes chaussures? J'adore tes chaussures. Tu vois, il y a un truc à dire. Ah, il y a un truc. Ah, c'est trop drôle. Comment t'as cramé pour les chaussures là? Parce que quand il te parlait, il regardait un instant tes chaussures. T'aimes les chaussures d'Alaya? Moins que celles de Lucas. Hein. Eh, mes chaussures, elles sont trop belles. Tu préfères ton meilleur pote ou mes chaussures? Mon meilleur pote quand même. Ah. Mais t'aimes bien les chaussures? Celles de Lucas, j'aime bien. Les chaussures en général, un peu moins. Ouais. Mais c'est fou d'être fan de mes chaussures. Est-ce que si là, il te les donne, tu les acceptes? Totalement. C'est quoi? Ah, bah, je garde, il est fou quoi. Ok, bon, lui, on est d'accord. On le garde. On le garde. On passe à la troisième ligne. Salut. Ça va? Ouais. T'es tendu? Non, je suis détendu. Ah, t'es détendu? Non, bah attends, pourquoi il dit ça? Pourquoi tu serais tendu? Non, je suis un peu stressé, c'est normal, il y a des caméras. Bon, il y a des caméras, ah oui, j'ai pas vu. Ah, attends. Vous faites quoi ici là? D'accord, très bien. Et vas-y, espace tes mains. Remets-les. Respace. Remets-les. Respace. Ok, attends. Très bien, t'as un truc à nous dire sur toi? Une remarque? Tu clignes beaucoup des yeux, non? Oui, je trouve. Après, attention, il y en a plein qui clignent des yeux. Non, non, mais lui, il est bizarre. T'as des animaux de compagnie? J'ai adopté un chien l'autre jour. L'autre jour, carrément. Oh, trop mignon, il s'appelle comment? C'est une fille, elle s'appelle Maya. Maya! C'est un chien ou une abeille? T'as vu, il a l'air un peu indifférent sur tout ce qu'on dit, tu vois. Non, peut-être qu'il lui a donné un truc de la timidité. Il serait plus timide. Peut-être aussi. Bah, on le conserve, lui, si jamais. On te conserve. Alors, numéro 37, t'aimes bien Dua Lipa? Ouais. Chante une chanson de Dua Lipa? Je connais pas, je l'ai pas en tête. Pas cette chanson, hein. Je les connais pas, attends, c'est bizarre ça. Je les ai pas en tête. Oui, mais t'aimes bien Dua Lipa? Ouais. I got a fever. Ouais. Ah, so can you check? Et regarde, Bruxelles, je t'aime, Angèle. Bah, faites un feat. Ouais. Ah, il a l'air très heureux quand même, non? Comment tu t'appelles? Lucas. La vie, elle est cool, non? Ouais. T'as vu, elle est super la vie en vrai. Ouais. Ah, il y a un truc bizarre, non? Ah, ou peut-être qu'il surinterprète tout. T'es heureux à combien sur 10? 8 et demi. Et pareil, bizarre, il bouge beaucoup la tête, non? Il n'y a pas un truc... Peut-être que juste il bouge la tête en temps normal et c'est ouais. Horrible ce qu'on est en train de faire. Ouais, je sais. Désolé hein, pour toi, en fait. Peut-être que je suis parano. Eh, mais regarde pas comme ça. Analyse de vous deux, oui ou non? On vote oui, non, oui, non, oui, non. Je sais pas. Non, je pense juste qu'il est mimes dans la vraie vie, quoi. Ouais, allez, bah écoute, on t'innocente. On innocente, ouais. On l'innocente. Merci. Oh, c'est ok, incroyable. Bonjour. Salut, j'aime bien ton outfit. Ouais, moi aussi, j'aime bien le mélange des couleurs, c'est joli. Tu t'appelles comment? Tom Aloïs. Tom Aloïs? Oui, c'est un prénom composé. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Je fais des études. Arrête, il répond très sec. T'es blasé? Non, je suis fatigué. Ah ouais, t'as dormi combien de temps cette nuit? 2 heures. Oula, mais t'es sorti hier? Non, parce que j'étais, je suis venu en train, ici. Oh non, mais t'es trop mignon, tu viens d'où? Lyon. Mais c'est 2 heures en train. Oui, mais il était tôt. Tu l'as pris à quelle heure?
5h. Oh non. Attends, par contre, alors je suis d'accord que c'est déjà incroyable, merci à toi. Par contre, tu parles avec très peu de mots, est-ce que c'est passé un truc ou peut-être j'en fais trop hein. Peut-être que son truc c'est de parler comme ça, comme Annick. Si c'est pas ça, je meurs. Si c'est pas ça, je disparais de cette planète, vraiment, j'arrête les vidéos. Tu parles tout le temps comme ça? Ça dépend des gens avec qui je suis. Bah c'est vexant pour nous. Parce que sinon tu peux parler comment? Ça dépend de mon état en fait. Tu peux être un peu... Oh. Vas-y, toi reste là. Eh, bouge pas frérot. Alors le numéro 39, qu'est-ce que tu racontes de beau? Moi je parle comme ça. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Moi lui je pense pas. Je pense pas. Ouais non, t'as pas de doute? Tu penses qu'il l'est pas? Bah non. On est innocente non? Alors, allez, innocenté, vas-y. Alors Pierre... Non, mais... non. Ah c'était quoi? T'enfonce tranquillement au plus profond de toi-même, encore. Encore. Et je viens retirer cette sensation de démangeaison. Ah, il se gratte aussi, il se gratte. Ah, j'ai pas vu. Il était en train de se gratter tranquillement ici. C'était moins visible, il était comme ça, ouais. En mode tranquille. J'ai 27 ans. C'est incroyable, putain. Ah, faut tout regarder, les gars. Du coup, il part quand même. Ah bah, du coup, vous avez perdu. Oh non, la rigole en me voyant, non. Oh non, pas encore ça. Elle se fout de ma gueule. Non, pas du tout. Ça va? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Adeline et vous? Oula. Alors, soit elle est très stressée ou soit c'est bizarre. T'as quel âge? T'as quel âge? Répète nos questions. Tu penses quoi de moi? Tu penses quoi de moi? Bah, j'aime bien. Allez, c'est un perroquet. C'est incroyable. Petit perroquet. Je suis abonné à la chaîne de Lucas Studio et d'ailleurs, c'est mon youtubeur préféré. Tu vas bien? Tu vas bien. Merde, elle a pas de toi la question, merde. Ah, j'ai le seum, putain. Ok, bon, allez, a priori, c'est bon. Même. Allez, toi, tu restes là, merci. Salut. Salut. 43. 43. Tu répètes toi aussi? D'accord. Tu t'appelles comment? Clara. Mais alors je dois préciser que je m'appelle Clara Maëlys. Clara c'est un prénom que je prends mais je m'appelle Clara Maëlys. Ok, d'accord. C'est pas moi, je vous jure. Je vous jure, je balance, c'est pas moi ça. Elle fait comme ça, je sais pas. J'ai une envie pressante là. Attends, il tire pipi. Ah c'est peut-être ça, dès qu'elle nous voit, elle a envie d'aller aux toilettes. Attends, regarde, tournez-vous. Toi là-bas. Attendez, tournez-vous. T'as envie d'aller aux toilettes ou pas là? C'est toujours présent. Ah merde, regarde. Ça veut dire dépêchez-vous, sinon elle va se pisser dessus. Okay. C'est pas moi quoi donc. On l'innocente ou pas? Bah. Vas-y. Allez, en innocente, je prends la responsabilité. Ok, let's go. Une petite fan de et du coup, les toilettes, c'est là-bas. T'inquiète. Elle, non, je pense pas. Ah bon? Ah bah c'est rapide, c'est... J'aime bien ta combi. Attends. Oula, t'es amoureuse de moi, toi. T'as vu comment elle m'a regardé? Bizarre, regarde Chloé, là. Waouh, il y a un truc, là. Attends, regarde, Alaya. Ah ouais, non, moi, je ne fais pas d'effet. Tu regarde Chloé. Ouah, y'a un truc! Attends, regarde Lucas. Non. Tu penses quoi de Chloé? Elle est jolie. Allez, viens, rentre à la maison, c'est quoi? Okay. Juste, elle te plaît beaucoup, c'est ça? Ouais, elle est jolie. Et Alaya? Ouais, elle est jolie. Mais tu préfères Chloé? C'est pas le même! Et bien, tu préfères Chloé, quoi? Oui. Ah ouais, c'est sûr, c'est ça. Je dis pas qu'on peut pas être amoureux de toi sans être hypnotisé. Hein. Non, mais c'est bon, hein. Elle est hypnotisée. Numéro 47, ça va? Oui. Non, ça va pas. Ah, regarde, y'a un truc là, ouais, un truc, on sent. T'as vu, elle fait oui. Ouais. Et bon, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus que 15 depuis le début. Ah, oui, clairement, là vous êtes. Oui. Là vous en avez gardé, ils sont pas hypnotisés du tout. Ah, elle répète, elle dit comment tu t'appelles? T'as quel âge? J'ai quel âge? J'ai 29 ans. Allez hop, elle répète toutes les questions. Elle répète pas la question, elle répète à l'affirmative. Et ça va sinon? Ça va et toi? Allez hop. Ah, c'est drôle, ok, hypnotisé. Salut numéro 51, comment tu vas dans la vie? Bah, ça va et vous? Tu t'appelles comment? Barbara. Barbara. T'es heureuse dans la vie? Ouais. Jolie eyeliner. Oh, merci. Bon, non, innocente, elle est heureuse dans la vie? Oui, oui. Et ben, on t'applaudit d'être heureuse dans la vie et on te laisse partir. Bon alors du coup là on a fait tous les candidats. Du coup on en avait 3 qui étaient bons donc il reste 12 personnes à deviner. Sachant que là on a quand même présélectionné beaucoup. On va tous les remettre sur une ligne et on va dire notre sélection finale et on va vérifier si on a bon ou pas. Vas-y. C'est parti, let's go. Allez. Et tous les 3, vous allez pouvoir les endormir. Oh, énorme. Ah ouais, alors ça c'est une dinguerie qu'a fait Pierre. C'est que là pour vérifier, on va aller à côté de la personne, on lui dit toi. Vous posez la main sur l'épaule en disant le mot sommeil. Le mot sommeil, c'est où? Sommeil. Ah, c'est incroyable. Et moi je suis à côté, je rattrape au cas où. Genre là on a le pouvoir d'hypnotiser quelqu'un. Écoutez, on vérifie maintenant. Déjà, Déjà vous avez des sûrs et certos. Voilà, des sûrs et certos carrément. Ouais, carrément. Il en reste 12 hypnotisés. Ok, alors le 3 déjà on est hypnotisé, lui c'est sûr. Vous êtes beau. Vas-y Lucas, essaye. Okay. Essaye ton nouveau pouvoir. Ok. On est bon? Là, c'est toi, t'es prêt? L'intensité, tout. Bon, lui, on est plutôt sûr, en tout cas. On est sûr à 100%. Frérot, sommeil. Wouah, c'est un truc de fou! C'est un truc de fou! Oh la barbie! Réveille-toi. Vas-y, réveille-toi, frérot. Comment on fait? Bah, j'ai pas donné l'ordre que tu pourrais les réveiller, donc. Ah merde! Attends, bon, tu le tiens, toi? Tu vois, c'est bon, il tient tout seul, t'es sûr? T'es sûr? Ah oui, tiens, tranquille. On rappelle encore une fois, c'est évident, mais évidemment qu'il n'y a rien de fou, tout est vrai, c'est incroyable. Donc attends, qui on était sûr? Lui, on était sûr. On était sûr? Ah ouais? Non, je pense que vous savez, je pense qu'il est pas lui. Hein. D'ailleurs, le 1. Ouais, non, tu peux partir. Bah, allez, désolé, mec. Oh, oh non! Oh, on avait un doute en plus! 2, 3, 4.
que je suis romain. Non, ça va ? Oh, c'est incroyable. Alors, c'était quoi son truc ? Alors justement, pour la petite histoire, ça c'est important, c'est qu'en fait, l'ordre hypnotique n'a pas marché correctement, c'est-à-dire qu'il devait se gratter lui aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand vous lui avez parlé, vous l'avez remarqué, vous avez dit, mais tu fais quoi avec tes mains ? Regarde ses mains, tu vois, c'est pas naturel. En fait, il a les mains qui ont fait comme ça pour aller se gratter, et l'ordre n'est pas allé jusqu'au bout. Et c'est bien d'un coup, enfin c'est bien d'un côté, parce que en fait, si l'ordre marchait à chaque fois, ça voudrait dire que je triche. Ah oui, c'est vrai. Voilà, si c'est vrai que si ça marchait sur tout le monde à 100%, ce serait la preuve que ce serait du fake. Si justement il y a des moments où ça ne marche pas correctement, c'est que le cerveau fait ce qu'il veut. C'est fou que des gens pensent encore que c'est fake, des trucs comme ça, alors que c'est quand même testé sur tellement de millions de gens sur Terre, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y a carrément des opérations qui se font sous hypnose dans les CHU, donc enfin voilà quoi. Après. Venons, fais-le, on est sûr, non ? Attends, déjà, il y avait la 24 là, c'est sûr. Bah, la 24, oui. La 24. Vas-y, Chloé, tu veux essayer ? 1, 2, 3. Si, c'est ça. Tu la tiens. Intensité. Sommeil. Oh oui. C'est incroyable. Parle aussi, moi. C'est fou. Viens calme, relâche. Impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de vaciller. Tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même encore. C'est incroyable. Encore. Encore, de plus en plus. Impossible pour vous de tomber, impossible pour vous de vaciller. C'est fou. I got the power. Oui. Bah non, ça marche pas, moi. Non, mais c'est bon, moi, je peux. Non, mais lui, oui. On avait dit, il aime tout le monde. Il était comme ça, oui, je t'aime et tout. Tu aimes bien Pierre ou pas? Ouais. J'aime tout le monde, hein. Vas-y, Alaya. Main sur l'épaule, conviction. Allez. Et on va voir si je suis désolée, hein. Sommeil. Ah, mais voilà! C'est toujours sur moi que ça marche pas! Je t'ai dit un mot, je t'ai dit conviction. Sommeil, je t'enfonce, je suis bien calme. Pourquoi moi ça marche pas, sommeil? Je relâche, je t'enfonce tranquillement, un peu profondément encore. Impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de vaciller. Vous aviez raison, c'est juste qu'il faut. En fait, si tu y vas sans avoir confiance en toi, il aura pas confiance en toi pour se laisser aller à l'histoire. Ça, on a droit qu'à 12 propositions. Il nous en reste 7. Alors attendez, bah déjà, il y avait le frérot du 30, Abara, les deux là. Non, 30 et 28 ouais, là. Bah oui. Mais elle a répété les questions aussi. Et ça va sinon? Ça va et toi? Ah bah elle déjà, non. Tu veux rester Alaya? Conviction Alaya. Sommeil. Ouais. Bon allez, 30 et 28 c'est sûr. Allez, eux deux. Ah mais lui c'est sûr. Vas-y Lucas, fais-toi plaisir. Sommeil. C'est faux. C'est incroyable. Il s'est arrêté de rigoler d'un coup. Sommeil. Je me crois dans Harry Potter. Je me crois dans Harry Potter, c'est un truc de fou. Donc là, vous êtes à 10. Oui. Ah, le 32. Ah oui, c'est les chaussures, bah oui. Et t'aimes bien mes chaussures toujours? J'adore tes chaussures, elles sont toujours belles. Ah oui, c'est sûr. Vas-y, Chloé, c'est ton moment. Sommeil. Oh non! Il a juste dit que mes chaussures étaient belles, c'est vrai qu'on est con. Oh non, j'ai le seum. Venons, elle, on savait. Ouais, déjà. Elle était bourrée. Toi, t'as chaud, toi? Ah, j'ai chaud. Si, elle était bourrée, c'est sûr. Vas-y, Alaya, si tu veux. Allez. Sommeil. Sommeil. Il y a les menaçantes. Bon, elle, c'était facile. Elle, c'était facile. Ok, trop bien. Il y a l'amoureuse de Chloé là-bas qu'on va aller voir. Essaye de l'endormir, s'il te plaît, Chloé. Sommeil. Non, elle m'aime tout court. Ah, c'est beau du coup. C'est une belle vidéo. C'est une belle vidéo. Elle, on avait quoi, la pantalon beige? Ah, mais oui, attends, c'était évident, je crois. Ah, mais oui, c'était évident. Ah, mais elle répétait les questions, elle aussi. Comment tu vas? Comment tu vas? Voilà. Ah, ok. Sommeil. C'est impossible pour toi de tomber. C'est incroyable ce qui se passe, putain. Oh les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc à vivre, ça. Alors, de toute façon, je vais vous dire, il vous reste une, deux, trois. Il vous reste trois personnes à trouver. Vous avez deux propositions. Sur toi, je pense. Adrien, il est pas hypnotisé. Ouais, vas-y, tu peux venir ici. Il est, mais oui. Oh putain. Tu vois pas, tout à l'heure il est stressé avec son pouce. Mais il avait quasiment rien lui. Chloé, c'est ta faute. Non. Pardon, c'est notre faute. Putain, il nous en reste qu'un. Numéro 8. Ah oui, il doit avaler sa salive lui aussi. Et il l'a fait. Et en plus, il l'a fait, ça a super bien marché. Toi, t'es conscient de ça. Et tu dis que. Ouais, c'est trop bizarre. Putain, il avait l'air bien en plus. Pour te dire, quand vous lui parliez, je suis allé voir Brieux pour lui dire. Putain, sur lui, l'ordre il marche super bien. Parce qu'il arrêtait pas. À chaque fois que vous lui parliez, il arrêtait pas d'avaler sa salive. Vas-y, fais une blague, vite fait. Il en a pas. Il est stressé quoi. Le dernier niveau, en fait, le premier niveau, vous l'avez compris, c'était les gars bourrés. Après, il y avait ceux qui rigolaient, se foutaient de ta tête. Attends, d'ailleurs, t'as trouvé les deux. Donc, en fait, juste, ils te voyaient avec des gros yeux, une bouche de travers. Enfin... Oh, c'est la vraie vie, ça. Hein. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Non, mais voilà, ils voyaient vraiment le visage déformé, genre Picasso, tu vois. Ah, voilà. C'est fou. Et après, il y en avait qui rigolaient quand vous leur parliez. Voilà. Et après, donc, on montait les niveaux, il y avait ceux qui se grattaient. Et il y avait ceux qui avaient leur salive. Qui était le boss final. Les boss, faut les trouver, ceux-là. Ça va être dur, là. Allez, on se décide. Allez, 36, c'est clean des yeux. T'as un truc à nous dire sur toi? Une remarque? Tu clignes beaucoup des yeux, non? Oui, je trouve. On tente le... Bah, vas-y, sommeil. Lucas. Ah bah je suis... Oh non, mon charisme s'est barré. C'était lui. Oh non, fais chier. En fait, ce qui se passe, c'est que pareil que sur le numéro 1,
les autres ont eu du mal à fonctionner. Okay. Normalement, lui aussi faisait partie des gens qui devaient répéter la phrase. Il a rien répété du tout. Pas bon ça, pas bien. T'as pas obéi. Pourquoi tu serais tendu? Non, je suis un peu stressé, c'est normal, il y a des caméras. Entre le moment où on a fait le truc et quand on a préparé la finale, non, il m'a dit le stress l'a bloqué. Ah, le stress, ça joue quand même sur l'hypnose. Okay. Donc là, il vous reste encore une personne. Bah, tu sens essayer, de toute façon. Vous... Ah, mais si, la dernière, la dernière, je sens, ouais. Ah merde, putain, ouais, je sens que c'est pas elle. Alaya, tu veux tester? Vas-y, moi j'ai fait sommeil. Bon, entend tout le monde, c'est bon. Sommeil. Ah, c'était elle. C'était les hésitations. Elle hésitait aussi. Elle faisait que de dire j'en ai. Elle a malé sa salive à chaque fois, c'est pour ça qu'elle. Et c'est pour ça que. T'es en couple? Non. Ah, elle hésitait pas, elle avalait sa salive. Et donc, il n'avait rien du tout. Non, mais ça, c'était sûr. Elle avait rien du tout, à part un outfit classe. Et toi, là-bas aussi, on avait un petit doute, mais... Est-ce qu'on peut tenter juste de leur faire faire des petits trucs un peu? Bien sûr. Alors, attends, si, je me fais vite fait une petite sélection. Là, on peut tenter juste pour la vanne de fin de vidéo, leur faire faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut aller voir le frérot là-bas, déjà? Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire juste pour la fin? C'est vrai que c'est dingue. On lui fait faire une tectonique, mais genre comme si c'était le roi, genre qui savait. Ah ouais. Personne que je touche seulement à partir de maintenant. Je viens retirer les 3 grammes d'alcool dans le sang. À partir de maintenant, tu redeviens exactement le même que tu étais tout à l'heure. À une différence près, c'est que tu es tout simplement l'ex-champion du monde de tectonique. Je compte 1, tu remontes tranquillement parmi nous. Je compte 2, cet ordre s'imprègne dans ton esprit sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter. D'ailleurs, tu sens maintenant tes bras tout doucement se mettre en position prêt à danser la tectonique. Et je compte 3, tes yeux s'ouvrent maintenant. T'es champion, bravo, c'est champion du monde. Mais c'est un truc de fou. Bien, bravo champion du monde. Oh, je vous jure, rien n'est fait, les amis, c'est un truc de fou. Bien. C'est incroyable, c'est un vrai champion du monde en fait. Oh mais lui, c'est mon héros. Personne que je touche, seulement à partir de maintenant, tu deviens tout simplement un adepte de Fortnite. Et d'ailleurs, sur le compte de 3, tes yeux vont s'ouvrir, tu n'auras qu'une seule envie. Taper tes meilleures danses Fortnite tant que je te l'enlèverai pas cet ordre. Je compte 1, tu remontes tranquillement parmi nous. 2, tu te mets à avoir envie de faire des floss et d'autres danses Fortnite. Et je compte 3, tes yeux s'ouvrent maintenant. Il va danser aussi? Ouais. Ah ouais. Ah oui, la petite danse Fortnite. Let's go. Oh mais c'est incroyable, mais c'est un truc de fou. C'est incroyable avec les autres là, mais c'est incroyable. Et ça va plus, hein. S'il y en a un qui dit c'est du fake, ça fait 20 minutes qu'il danse. Ah ouais. Tu veux voir un truc vraiment cool? Ah oui, bah oui. Personne que je touche seulement, je compte 1, 2, 3, je s'ouvre maintenant, ça va? Viens par ici, mets-toi, mettez-vous un peu les uns contre les autres, tout redevient normal maintenant, ça va frérot? Tu fais quoi depuis tout à l'heure? Je vous déteste. Juste là, personne que je touche seulement, tu ouvres les yeux, tout redevient normal maintenant. Qu'est-ce que tu fais frère? Depuis tout à l'heure là? Je sais pas, j'avais envie de danser. Bien tiens, mets-toi là, Flore, un petit peu d'aide, d'accord? Oui. Est-ce que tu peux te mettre juste derrière au cas où? Oui. Lucas, tu vas te mettre tout au bout. Est-ce que tu peux le mettre derrière au cas où? C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui bascule vers toi, tu le rattrapes et tu m'appelles. Vous me regardez chacun votre tour, je viens juste verrouiller maintenant ici tes jambes. Impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de vaciller, impossible pour vous de tomber, impossible pour vous de vaciller. Je vais vous demander chacun votre tour de regarder la pomme de main. Tu regardes juste ici, tu es prête? 1, 2, 3, sommeil. Wow. Ah, je devais dire ta part. Ah, mais c'était des dominos, genre. Oh, c'est dingue. Tu regardes ici, 1, 2, 3, sommeil profond. Tu es bien calme, relâché, de plus en plus calme, de plus en plus relâché. Vous êtes bien calme, relâché, toujours dans cet état de calme, de paix, de bien-être. Je vais vous demander maintenant de vous asseoir tranquillement et vous sentez le support sous vos fesses se modifier puisque vous êtes tout simplement maintenant posé dans une salle de cinéma. Vous sentez le siège se ramollir. Vous êtes bien calme, posé. Vos yeux restent hermétiquement fermés. Vous redressez votre tête maintenant. Vous avez cette bonne odeur de pop-corn qui envahit vos narines. Une tellement bonne odeur que sur le compte de 3, une boîte de pop-corn va apparaître sur vos genoux et vous pourrez tranquillement l'attraper. Je compte 1, 2, 3. Vous attrapez la boîte de pop-corn maintenant. Vous saisissez la boîte de pop-corn maintenant et vous pouvez manger des pop-corn maintenant puisque ce sont les publicités qui passent devant vous. Mangez des pop-corn maintenant. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Regarde, 1, 2, 3. Sommeil profond. Tu es bien calme, relâché. Et la boîte de pop-corn apparaît maintenant. Ah ouais, super bon. Et vous êtes devant le film le plus drôle que vous n'ayez jamais vu, tellement drôle que vous vous mettez à rire maintenant. De plus en plus, de plus en plus drôle. Le film le plus drôle qu'on a jamais vu, on se met à rire encore, encore, encore. Le film le plus drôle et on rit encore, de plus en plus, de plus en plus. Tu vas voir. Je veux qu'il pleure, il pleure. Et vous allez voir que sur le compte de 3, ils vont éteindre l'écran et lorsqu'ils vont éteindre l'écran, les rires vont s'arrêter instantanément. Je compte 1, 2, 3. Vos yeux se ferment hermétiquement, totalement, maintenant, impossible pour vous de tomber, impossible pour vous de vaciller. Vous êtes bien calme, relâché, vous restez là, je reviens vers vous dans quelques instants. Ça va?
Tiens, tu regardes ici un peu, son œil profond, tu deviens calme, impossible pour toi de tomber. À partir de maintenant, je viens juste retirer tout ce que j'aurais pu implanter et je viens remettre tout ce que j'aurais pu enlever. Vous redevenez exactement les mêmes que vous étiez avant le début du tournage tout à l'heure. Tous les souvenirs de ce que vous avez vécu aujourd'hui explosent maintenant dans votre tête. Je compte 1, vous remontez tranquillement parmi nous. Je compte 2, ces ordres s'imprègnent dans votre esprit, vous redevenez exactement les mêmes, tant psychologiquement que physiquement, un plein tonus psychologique musculaire. Demain matin, on réveille l'agréable sensation d'avoir fait la meilleure nuit de votre vie. Et je compte 3, vos yeux s'ouvrent maintenant, vous êtes redevenus exactement les mêmes. Bien, calme. Bravo ! C'est incroyable. S'il y en a parmi vous qui se sentent un peu vaseux, vous venez me voir, mais normalement, non. Normalement, je vous ai tout remis nickel. Ah, bah voilà. Je m'occupe de toi. Ah oui. Mais ouais, c'est incroyable. C'est fou, hein. Les amis, c'était fou. La séquence de fin, c'était incroyable. Et on répète encore 1000 fois, mais vraiment, c'est pas du fake. On le voit sous nos yeux, c'est un truc de fou. Moi, je sais même plus quoi dire, moi, au bout d'un moment, tu sais. Bah, c'est que c'est dur à prouver peut-être aux gens qui ont encore un doute. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 12 ans, 13 ans, avant que je me mette à faire de l'hypnose, même moi le premier, j'y croyais pas. Eh ben, déjà, quelle transition. N'hésitez pas évidemment à suivre Pierre, je mets sa chaîne YouTube en description. Pierre qui a fait une masterclass, c'était incroyable, merci beaucoup vraiment. Merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment trop drôle. Merci évidemment à Chloé, à Laïa. Avec merci plaisir. À toi pour l'invitation. On a bien rigolé, on a peut-être pas été si mauvais que ça en vrai. Non, c'est dur hein, des fois. Mais moins que sur le volume avec les âges. On viendra plus fort au volume 3, n'hésitez pas, on a plein de trucs de prévu encore, on a plein d'idées comme ça. Évidemment, les chaînes de Chloé et d'Alaya, c'est en description aussi. N'hésitez pas à checker ça. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne aussi, ça fait plaisir. Merci bien sûr à tous les abonnés qui étaient là et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Bisous. Ciao.